Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au lieu de me voir moi, vous voyez le sapin. Voilà, que j'ai fait hier. Je vous le montre malgré que ce n'est pas le thème de la vidéo. Voilà, mon petit sapin avec mon petit papa Noël. Mon petit bonhomme de neige. Voilà, moi je suis là. Coucou. Et Fifi est là, bien sûr, fidèle au poste, qui va grimper sur mon gilet. Et je profite pour vous montrer la déco que j'ai faite aussi ici. Voilà, avec un Papa Noël sur son échelle. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer où j'en suis arrivée. J'arrive plus à desserrer mon téléphone. Voilà. Sur mon pull. Alors, j'ai. Fifi, range ta queue. Merci. Fifi. Donc j'ai terminé. Non, Fifi, non, pas sur le gilet, maman. Donc j'ai terminé le dos ici et j'ai terminé les deux devants. Ça y est, elle va commencer. Alors voilà, les devants sont faits. Fifi, non, pitié. Donc les deux devants sont faits. Bon, on va attendre qu'elle ait fini. Hein. Voilà, ça y est, elle a terminé. Elle est couchée. Donc les devants sont terminés. Il restera les deux bandes de 13 cm de chaque côté des devants qui fera le tour du col ici. Voilà, comme ça. Donc ils vont se rejoindre derrière le dos. À faire, voilà. Alors, vous allez me dire, les lignes ne sont pas pareilles que sur le dos, c'est normal. Alors, je vais vous montrer le dos. Voilà, par rapport à un devant. Voilà ce que ça fait, mais c'est tout à fait normal puisque le devant se tricote sur une plus grande longueur, donc les lignes de couleur sont plus petites, voilà, et le devant se tricote sur une largeur plus petite, donc les lignes de couleur sont plus larges, voilà. Mais c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer sur le modèle, ça fait exactement pareil. Vous voyez, le devant, les lignes sont plus larges et on voit ici derrière que les lignes du dos sont plus petites. Voilà. Donc j'ai une amie qui me disait que j'aurais pu le faire aux aiguilles circulaires, que j'aurais pas eu ce problème-là. Ah, j'ai une tortue qui se promène. Regardez ma tortue, s'en va avec sa couverture. Bah alors, tu te promènes avec ta couverture? Fait la tortue. Ya maman, va l'enlever. Pardon, je. Hop, voilà. Ça leur arrive souvent de se promener avec leur couverture sur leur dos. Mais bon, le problème, c'est que moi, la circulaire, je ne sais pas trop m'en servir. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas pour l'instant. Je reste comme ça. J'ai attaqué les manches. Voilà. Donc, comme vous savez, moi, la méthode des manches, ben, je fais sur la même aiguille les deux manches en même temps avec deux pelotes.
Donc, comme vous voyez, les deux manches. Attendez, vous verrez peut-être mieux si j'enlève le gilet. Voilà. Les deux manches ne vont pas avoir les lignes pareilles, mais c'est pas, je m'en fiche, c'est pareil hein. Sur le modèle, on le voit aussi que là, voyez, il y a du bleu au début et là au début c'est du rose, donc rien d'anormal, c'est tout à fait normal pour ce modèle. Voilà. Donc là, je fais les manches et il me restera donc à faire les côtes. Comme j'ai dit, il me restera à faire les côtes, la ligne de côte de 13 cm tout autour, après à faire l'assemblage. Alors comme c'est une laine assez souple, je vais voir si je vais faire mon assemblage avec le point matelas. Je vais voir si je peux le faire avec ça. Sinon, je verrai comment je vais faire. Je n'ai pas encore décidé. Mais donc voilà. Donc là, il me reste, bon, là, les deux pelotes que vous voyez là-bas, c'est les deux pelotes entamées pour les manches. Il me reste une pelote entière. Et une pelote tout juste commencée. Je pense que ça ira pour terminer cette veste. Voilà. Donc je vous remontre les manches, le devant et le dos à l'endroit. Voilà. Mais alors c'est très doux. Hein. Oh là là, c'est vraiment très très doux. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais. Donc c'est vraiment une petite vidéo. C'est ce que je voulais vous montrer hein, aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne savent, qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc ça sort de ce livre-là. Donc, fil d'art, Multicos et compagnie, je vais arriver à le dire. Je vous remets les liens en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de la laine, le lien du livre, et je vous mets également, malgré que la veste est dans le livre, si vous ne voulez pas acheter le livre en entier, je vous mets également le lien de la fiche. À télécharger qui est à l'achat également sur le site Fildart. Voilà. Allez, je vous remonte un petit peu. Ah, je vous coince. Je vais essayer de venir vous voir. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et là, on se retrouvera très rapidement pour une autre vidéo. Ça va être une unboxing, pas chez Fildart, là. Ça va être pour une autre boutique, voilà, où j'ai commandé de la laine également. Ça devrait arriver, je pense, demain. Donc, je vous ferai la vidéo. J'ai pris un tout petit peu de retard sur la fin de la... Je vais m'asseoir, ce sera mieux. Sur la fin de la vidéo pour le tuto du crochet, ou pour la nouille, pour l'écharpe-nouille, parce qu'on a dû aller mettre la voiture en réparation, voilà, tout ça. Donc, du coup, j'ai pris un tout petit peu de retard pour vous mettre en ligne la fin de la vidéo. Donc, vous l'aurez cette semaine, sans problème. Sinon, bah, rien de neuf. Voilà. Que du vieux, à ma fifille. Fifille, oui. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.